Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Toujours dans le cadre de l'auto-miniature et de mes devoirs de vacances, ce soir je vais vous parler d'un petit accessoire que j'ai trouvé sur le stand de Mininch. Mininch qui était présent dans Quel Auto-Miniature et qui nous présentait des nouveautés, que ce soit Odéon, Solido ou autre. Et sur son stand, donc il vendait des petites miniatures Mininch, des petites 1.64. Avec quelques amis à lui, ils étaient là et ils présentaient et ils vendaient ce petit accessoire chez Tarmac au 1.64, un petit point élévateur 4 bras que j'ai trouvé super mignon. Donc inclut la servante, le cri, un petit drapeau et une petite petite affiche compose comme ça. Alors vous voyez, il est marqué stickers include, et à l'intérieur donc vous avez deux planches de stickers. Alors je découvre avec vous la bête, je l'ai pas encore ouvert, et moi c'est un accessoire qui m'a tout de suite plu parce que je vous avais déjà présenté au 1.18 le Green Light et au 1.64. donc Tarmac nous présente ce joli petit modèle. C'est super mignon, super bien fait. Et j'ai craqué dessus. Alors c'est en plastique, c'est très léger. Mais ça valait le coup. Donc le drapeau Rally Art, c'est très léger, c'est du petit, c'est du vraiment sensible. Petite servante, toujours aux couleurs Rally Art. Rally Art, hein, vous savez, ils font des jeux vidéo. Donc là je vous parlais la petite pancarte que l'on pose l'entrée d'un stand, et le fameux cri rouleur 1.64, tout petit, tout fragile, tout mignon en position haute. Et donc je suis, voilà, je suppose bien, puisqu'il est marqué donc stickers inclus, deux planches de stickers A et B avec des drapeaux que l'on peut mettre ici. Vous voyez, vous avez plusieurs modèles Mitsubishi, Rally Art, Advent, sous plusieurs couleurs réunies, et aussi pour ce petit accessoire, donc avec les Mitsubishi également, Advent Rally Art, à la fois d'un côté comme de l'autre, puisqu'il y en a deux identiques. Bien pensé, fallait y penser. Merci Tarmac. Pour illustrer ce petit diorama au 1.64, j'ai piqué, donc Tarmac j'en ai pas au 1.64, j'ai piqué une petite coccinelle Matchbox à mon fils pour illustrer le pont élévateur avec la voiture dessus. C'est super joli, super mignon. Alors bien sûr, hein, ça reste sur du 1.64, hein, on n'est pas non plus dans une grosse finition, gros détail comme le Green Light, le pont ne descend pas, mais voilà, il est présent, donc on peut mettre autour du garage. Je vous le présenterai, tiens, je ferai un
une petite mise en scène à la maison. J'ai un petit garage Greenlight au 1,64. Je ferai une petite mise en scène avec pour vous montrer ce que ça donne. Sinon, on peut faire une petite mise en scène avec le cré rouleur puisqu'il est en position haute. Mettre la voiture comme ceci. Bouger un peu la caméra. Voilà, on a vraiment une petite sensation de garage et de petite mise en scène très sympathique. C'est très joli, très fin. Très mignon. Alors pas d'ouvrant, hein, bien sûr. Pas de pont qui lève, qui monte et qui descend. Mais on a, on va dire, un 4 pieds très bien réalisé. Avec les rampes d'accès fixes, ce coup-ci. Mais elles sont là. Il est vraiment très joli. Moi, c'est un petit accessoire qui m'a plu dès le départ. Je suis pas un grand fan de 1,64, j'ai du Hot Wheels, j'ai du Matchbox, un peu de majorette, très peu. J'ai aucune tarmac, je vous cache pas, hein, je n'ai pas de tarmac. C'est le premier accessoire et premier modèle de la marque que j'achète chez Tarmac. Donc merci à Mininch, peut-être à l'occasion. Je vais peut-être m'y mettre d'ailleurs pour voir. Là, il présentait des Mustangs. Alors, je suis pas très Mustang. J'aime bien les Mustangs, mais celle qu'il présentait ne me plaisait pas trop. Mais à l'occasion, si d'autres modèles se présentent, j'irai fouiller, faire un petit tour, voir ce qui est vendu chez Tarmac également. Vous voyez, le cri est très fin. Je vais mettre ma main derrière parce que comme ça, ça permet de la voir un peu moins floue. Bien sûr, hein, les roues ne tournent pas, le bras ne monte pas, mais il est là, ce petit cri rouleur. Donc après, vous mettez la scène dans le garage, vous mettez le cri, la servante. Alors, en général, ça se présente comme ça, la servante devant. Le cri à côté, prêt à partir, la voiture et les autres accessoires, bah vous les mettez autour en fonction de ce que vous voulez mettre en scène. Mais c'est très 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 joli. Moi je vous dis, le premier truc que j'ai craqué sur son stand à Mininch, c'est ça. Et en plus, bon, il a été très sympathique. Je ne l'ai pas payé très cher. Je le remercie. Voilà, si ça vous plaît, bah, il faudra chercher ou vous le procurer. Je vous mettrai les coordonnées de Mininch en description sur la chaîne. Comme ça, vous pourrez aller voir directement mininch.com. Et si vous ne connaissez pas son site, je vous invite à aller le voir. Il présente beaucoup, beaucoup de nouveautés. Donc, surtout, ne vous gênez pas, allez voir, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Les amis, je vous laisse vous faire votre idée sur ce petit modèle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à Top Miniature Automobile, je vous attends. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.